Bonjour les quatrièmes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre qui s'intitule chapitre 3, histoire de la vie au cours des temps géologiques. Donc vous allez mettre sur pause pour trouver le temps d'ouvrir votre cahier et de recopier en rouge le titre du chapitre. Comprendre l'histoire de la vie au cours des temps géologiques nécessite de connaître un petit peu l'histoire de la Terre, puisque bien entendu la vie n'existe que sur Terre, la vie n'a pu apparaître qu'après l'apparition de la Terre. Pour connaître l'histoire de la Terre, les géologues, les scientifiques ont cherché à la surface de la Terre actuellement les roches les plus anciennes qu'ils pouvaient trouver. Ces roches, pour en connaître leur âge, sont prélevées et on va doser ce qu'on appelle les isotopes. Certains isotopes, certains atomes qui évoluent dans le temps, on dit qu'on fait de la radiochronologie, et cela nous permet d'avoir l'âge des roches. Les roches les plus anciennes identifiées par une équipe canado-américaine seraient présentes à l'heure actuelle encore au Canada. Et cette roche, elle est reconnue comme étant exactement la même que la première croûte terrestre originelle, dit-on. Hein, elle serait de même nature chimique. Elle a été datée de 4,56 milliards d'années. Donc, pour l'instant, les scientifiques sont d'accord pour estimer que la Terre a 4,56 milliards d'années. Depuis ces 4,56 milliards d'années, la Terre a bien changé. On reconnaît, on a nommé par quatre mots différents les époques qu'auront traversé la Terre depuis nos jours. AAD1, Archéen, Protérozoïque, Phanérozoïque. Alors je vais passer la main à une personne que je ne connais pas, que j'ai trouvée sur Internet et qui va vous expliquer très bien les événements de ces quatre périodes qui se sont déroulés depuis nos jours. Et nous allons, à travers cette, en ayant bien en tête l'échelle des temps géologiques, identifier quand la vie est-elle apparue sur Terre et sous quelle forme. Donc, avant de démarrer l'activité 1, que vous allez trouver dans le devoir à faire, je vous demande de me mettre sur pause et de copier la question écrite en vert.